11, 12, 13, rendez-vous, c'est sous Champ de Mars pour Carnaval National. Haïti sous route changement, TNH. Il faut encore que vous accompagnez nous pour nous vivre tout instant dans le Carnaval National. Là. Anissa, on a tout côté et on a pris le côté les dessous du de Carnaval haïtien. En pile belle image, tu as dû projeter pendant la période ça. Et maintenant, on va le faire mise au point avec une membre comité Carnaval, là, secrétaire général comité A, Andy Durosier. C'est directeur général du ministère du Tourisme qui a accepté de répondre à une question. Toute dernière précision sur l'organisation carnaval là, toute sorte de doué qu'on est sous carnaval Anissa, groupe qui a pris des filets, ça dit par rapport avec des artistes que nous avons souhaité là. Et jusqu'à présent, pour une confirmation s'il y a plat, budget carnaval là qui s'est lié à Anissa, et puis toutes les questions qui sont liées à carnaval de manière générale, parce que grand pile préoccupation sous jeune organisé carnaval là, sous jeune arrivé vendre carnaval là, comme véritable produit touristique. D'après le gars, vous nous faire mise au point ça avec M. Durosier matin. Andy Durosier, son plaisir, vous nous recevoir matin sur TNH. Ah ben, c'est génial, son plaisir, tout, pour participer à l'émission mise au point. Je salue tous les téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti. Et nous allons parler carnaval, une activité qui tourne aux traditions et pour la population haïtienne. Mm-hmm. Et à Nessa, nous, président de la République, nous sommes arrêtés, présidentiel, côté que l'été mettez nous, pour aider à la réalisation de la fête populaire ça, sous pays. Alors, on a un comité national là ou un comité élargi? Alors, moi-même, moi un comité national carnaval là, qui est un arrêté présidentiel et président est publié. Qui gagne 12 mounes, et moi fais office de secrétaire général. Mais pas oublier que nous faisons fusion avec le comité municipal et commune Port-au-Prince. Parce que pas oublier, année ça, carnaval là pour organiser dans la commune Port-au-Prince. Donc c'est tout à fait logique et normal que nous travaillons de concert avec la mairie de Port-au-Prince pour réalisation carnaval national dans la commune Port-au-Prince. Dans le premier temps, il y a un petit problème entre Port-au-Prince, commune Port-au-Prince et comité A. Maïsra a même dit qu'il était le dehors. Mm-hmm. Finalement, nous venons en temps puisque moi, nous chita et nous même la conférence de presse ensemble. Bon, je préfère capitaliser sur ça qui a marché bien aujourd'hui, hein, que me donner sur ça qui peut-être des petits problèmes de communication. Mm-hmm. Mais finalement, tout problème était résolu. Écoutez, les équipes se sont fusionnées et nous travaillons ensemble. Et mairie Port-au-Prince a gagné, d'accord, dit, a gagné responsabilité organiser dimanche pré-carnaval, bien sûr. Ce que vous avez fait avec vraiment un pile satisfaction et un pile félicitations pour magistrat Port-au-Prince, Yuri Chevry. Et vous avez intégré le comité national, là, côté que vous vraiment travaillé de concert, surtout dans le sous-comité artistique, là, parce que mairie Port-au-Prince va jouer un rôle important et majeur dans le défilé artistique à Nessa dans le carnaval Port-au-Prince, carnaval national. Mais vous dites travaillez ensemble, ça veut dire que vous impliquez dans tout ça à faire ou bien que vous pas connaître? Écoutez, alors, tu as des ententes qui te trouvent justement, et peut-être pas tout le monde m'a dit là, mais une entente qui te trouve, c'est que mairie Port-au-Prince a extrêmement impliqué dans le défilé artistique. Là. Et ce qui s'est fait, donc, il y a un sous-comité artistique dans le comité national là, qui fusionnait avec le comité artistique mairie Port-au-Prince et aussi ensemble pour dit, planifier toute séquence qui a gagné dans le défilé artistique pour le carnaval à Nessa. Vu un peu le carnaval là, arrêté à pas sortir trop bonheur et même son nouveau venu dans le comité, comment nous t'es fait pour nous rejoindre un minimum de cohésion dans ce comité pour nous entendre nous sur ça que nous organisons 11, 12, 13 février pour le pays? Mon cher Sergino, nous avons un temps de réponse. Dans le comité, c'est vrai qu'il a arrêté à pas sortir trop tôt. Mais finalement, tout le monde qui était dans la machine, c'est des gens qui sont habitués à organiser le carnaval déjà dans le pays d'Haïti. Et ceux qui ont 30 ans, 35 ans, à organiser le carnaval. Donc moi-même, moi juste intégré le comité hein, et moi entré dans nos machines, côté que qui était déjà fonctionné. Donc c'était juste à attendre un booster et avancer. Haïti sous route changement, thème ça, c'est palais national ou bien le comité a qui proposé? Écoutez, c'est des propositions que le comité a été fait justement, et ensemble avec le président de la République, là, et ensemble avec l'autre monde partenaire. Donc nous avons vu que je dis hein, par rapport à l'idée et à la réalisation qui gagne dans le caravane changement. Donc, il était essentiel justement pour nous être capables de vendre thèmes à le thème changement. Parce que changement, ce n'est pas seulement au niveau infrastructure physique, mais changement, tout faut le faire au niveau de mentalité. D'accord, dit haïtien, pour haïtien comprendre aujourd'hui hein, que c'est haïtien qui vous travaille pour Haïti, que changement, c'est un haïtien lié.
et que nous pas compter sur monde, nous bien content le l'autre monde veut aider nous, mais d'abord et avant tout c'est haïtien qui vous travaille pour changer ville, pour changer réalité socio-économique que nous vivons aujourd'hui à la donne. Pas oublier, il y a toujours une résistance au changement. Mais c'est un appel justement à une sensibilisation citoyenne pour emboîter le pas pour faire Haïti aller plus devant. Même pas bien, mais Port-au-Prince, c'est que tu as gagné Haïti, Jean Loyer. Est-ce que tu mettez nous finalement, il y a un mot qui retourne Haïti. Donc tout le monde travaille pour Haïti. Entre Haïti, Jean Loyer et Haïti sur le changement, on a dit que c'est même l'idée pratiquement qui traversait. Mais finalement, écoutez, on s'est entendu sous thème, non, mon grand thème, Haïti sous le changement. Donc, Haïti Jean Loyer, Haïti sous le changement. Et thème, non, c'est que Haïti doit aller plus devant. Donc, c'est ça, nous vivons comme on a dit thème pour Carnaval 2018 en Haïti. Qui est le budget Carnaval là, Yannissa? Yannissa, nous avons un budget prévisionnel de 186 millions de gourdes. Et pour réalisation Carnaval là, sur toute l'étendue du territoire national. Alors, c'est pas Port-au-Prince, là. Pas oublier. Budget, c'est pas budget. Carnaval Port-au-Prince, c'est budget pour le pays. Et si vous voulez me faire une ventilation rapidement, dans la prévision, bien dit, prévision, mais pas dit budget disponible. Donc, dans la prévision, trésor public, là, tu as supposé mettre 50 millions de gouttes. Secteur privé, tu as supposé contribuer à hauteur de 80 millions de gouttes. Il y a un vote de stand qui a supposé rapporter nos 16 250 000 gourdes. Et maintenant, il y a des entreprises publiques côté que qui a supposé au moins mobiliser à peu près 40 000 gourdes. Donc, mais on connaît le financement, ce n'est pas qui facile. Et je ne l'ai pas qui facile. Donc, un comité avec des gens qui sont habitués à faire ça, nous a privé mobiliser des fonds pour que Carnaval l'année ça soit réussite. Je dis à qui pour nous y avec comme ça. Nous venons jouer bon. Plus fort, même pas jouer dans. Écoutez, ça marche. Ça marche. Et fonds de trésor public disponible. Et puis 50 millions de trésor public disponible déjà. Oui, nous disponibles. Et puis ensuite, sponsor a répondu. Sponsor a répondu. Et il y a un pile sponsor qui déjà répondu. Il y a toujours dit, il faut être supposé par réponse. Et pour nous avancer. Donc, il n'y a aucun problème. Bon, en tout cas, il n'y a aucun problème. Nous étions optimistes. Finalement, Carnaval l'a fait et l'a bien fait. Maintenant, l'argent déjà disponible, qui ça nous a engagé par rapport à l'organisation Carnaval? Par rapport à l'engagement, nous, il y en a pas quitté. Vous connaissez bon. Il y a trois groupes dans la vie qui sont importants dans Carnaval. Il y a d'abord des défis artistiques. Et pas oublier que nous presque il y a à peu près 3000 jeunes qui prennent sous parcours là pour défi artistique là des toute école de danse qu'on est qui gagne dans Port-au-Prince et etc. Qui bah, avec costume hein, parce que c'est ça qui a créé un pile couleur dans carnaval là que nous prenons vendre justement sur le plan international. Nous gagnons musiciens groupe musicaux et nous gagnons groupe qui a fait sonorisation pour musiciens. Donc tout contrat fin signé avec et groupe musique, compagnie son, et il y a des chèques qui commencent à livrer. Donc, c'est-à-dire, pour que nous assurions nous que et pas gagner aucune tête fait mal dans l'organisation Carnaval année ça. Non, plus l'autre dépense qui est liée à l'administration et Carnaval. Donc, maintenant, il y a trois postes budgétaires qui ont commencé à couvrir. Parfait. Je suis passé sur Jean-Massaïe soir, je suis regardé. Moi, c'est vrai que c'est un lieu construit, mais par rapport avec dimanche, travail, tu as commandé pour nous, monsieur, d'avoir accéléré. Où j'aime construire ce lieu là. Finalement, c'est génial. Je dis que dimanche, le défi a démarré à 3h de l'après-midi. Jean-Massaïe Bell, tout ça a construit avec un pile rouleur. Donc, je m'inquiète pour ça. Je m'inquiète pour ça. Mais est-ce que là, par rapport à ça, tu souhaité jouer un bon côté de mon capacité stand espace? Est-ce que pas d'inquiétude tout? Eh bien, je dis, on a une grosse bataille sur le champ de masse. Parce que tout espace est une bonne. Tout espace est une bonne. L'argent dans nous? Et normalement, oui, parce que année ça, le président de la République a passé une instruction formelle que pas de carnaval avec dette. Ah, donc, il faut réaliser un carnaval sans dette. Même ministère, institution, l'État qui suppose qu'il y a un stand sur le champ de masse, il paye. Ou payer, il y a un bon espace. Ou pas payer, ou pas gagner espace. Ah bon? Par exemple, le ministère me représente le ministère touriste, malgré le comité carnaval, avant qu'il y ait accordé espace à le ministère touriste paye espace.
Parce que forcer graisse cochon qui cuit cochon. Donc jodi hein, tout espace pratiquement fin vann. Donc c'est même l'argent ça qu'a pris investi dans activité carnaval. Est-ce que constant un critère que le comité a mis de l'accord sur Jean Mounet de construire stand-yo dépendamment de l'espace que il gagne sur Jean Massa? Bon, écoutez, et ces questions, alors il y a logistique là qui occupe de ça, donc c'est débat qui est établi depuis longtemps. Seul ça me connaît stand-yo normalement dimension stand-yo c'est 20 par 20 et moi connais que chaque carré de stand est capable qui construit capable d'accommoder 100 moun. Mais dépendamment de qui design ou fait sous stand. Donc, il y a des rencontres qui faites entre constructeurs de stand et comité logistique, sous-comité logistique là, pour fixer les normes et les règlements. Et il y a un débat qui est extrêmement important, c'est que normalement, sous-comité logistique en privé, sous tout stand, il y a un extincteur. Hein? Si, Zoka, il y a un incendie qui déclare son stand. Donc ça c'est un débat qui est extrêmement important quand on garde ça sous stand quand on sous parcours défilé carnaval ça. Construction stand a commencé qui côté pour finir qui côté sous chemin ça. Bon généralement quand les constructions stand a commencé dans l'avenue République là hein, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'en bas jusqu'au bord des GI et puis jusqu'à ce qu'on arrive vers l'extérieur. Parce que généralement débrouille vers l'extérieur bon finalement on a dit carnaval fini. Par contre année ça de concert avec mairie Port-au-Prince a gagné on la Mayotte sous rue Saint-Honoré par contre sous rive sous rue Saint-Honoré c'est-à-dire son espèce, alors là c'est la Mayotte son espèce de gouston c'est-à-dire de bah, public alors c'est pas bah, les distance alors un gouston pour public là mais c'est une espèce de goustage là qu'a dit et capitaine sous toute rue Saint-Honoré lorsque le défi artistique l'a passé, eh bien, acteur dans le défi artistique l'a, par séquence, il a monté sur Boosted ça pour faire produire des shows artistiques. Ah bon? Exact. Donc, c'est une tête que nous retrouvons avec Miri Port-au-Prince. Nous trouvons que son idée superbe, Anessa. Côté que si, par exemple, mon yo passé, il n'y a pas de temps performé, je vais t'en performer. Donc, que Sted ça a mis en place à permettre. Que nous vivons la formation et d'encourager la télévision nationale d'Haïti à couvrir de manière particulière et espace ça pendant 3 jours. Voilà, tout près, parce que Stan TNH, c'est bon, exilé. TNH pour retourner la Kali. Et Stan, construction de télévision, l'avancée, elle s'est dépassée, moi, M. Damio, a avancé sérieusement. Mais tu as gagné tout en formule, une édition, pour tes bon stand public. Des monde peut-être qui parlent rien pour avec entreprise commerciale avec institution l'état yo, mais t'as une gâte carnaval là avec famille yo. Ben, est-ce que ça a pas pour rendez-vous à ça? Bon, de toute façon stand camp bien sur Saint-Honoré hein, c'est pour ça. Donc finalement parce que tout n'a pas enjoy bien dans carnaval là et que sous stand ou qu'on pas sous stand parce que c'est pas parce que sous stand ou pas sous stand qui fait que bon pas vivre carnaval là. Et donc, finalement, dans Rue Saint-Honoré à Mouston, d'Acadie, qui est public, qui a un millier de monde, hein, plus de milliers de personnes, qui est capable de venir enjoy d'Acadie, et show artistique, ça, qui pour nous-mêmes, peuvent gagner un caractère particulier. Parce que sur le plan international, c'est des images que nous avons pour essayer de commencer à changer l'image du pays d'Haïti. Parfait. Haïti, sous le changement, ce thème, ça, pas trop politique, non? Écoutez. C'est Gino Lendor, tout le monde est politique. Pas rien que pas politique. Mais tout le monde est pas politique. Moi-même, je préfère un thème à être sur le changement tant que son appel à la sensibilisation, à une prise de conscience de citoyens qui supposaient mettre de destin, qui supposaient mettre de développement pays d'Haïti. Donc, parce que, écoutez, pas oublier la politique, c'est qui s'en lie. La politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Donc, généralement, on a dit qu'on mettait peut-être politique là, de n'importe qui dit d'Ovinavel, c'est généralement de la politique politicienne. Mais moi-même, je ne parle pas d'un thème ça, de la politique politicienne, nous avons deux comités, un thème comme un thème en appel. En appel pour tout pour nous mettre main, pour que nous bâtissions, nous construisions le pays, nous, pour nous faire respecter le pays, nous, pour nous mettre Haïti sur le développement, sur le changement définitif. Parfait. Là, on a parlé de carnaval ici, on toujours une équipe, on se chaîne là, qui a monté des scènes.
c'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont défilé, vous parlez de défilé artistique là, mais vous n'avez pas de possibilité du spectacle là, parce que tout le monde dans la rue, acteurs qu'on fait avec le public là. Anessa, qui disposition au niveau du comité qui prend pour permettre que les gens qui regardent la télévision, les gens qui sont capables de capable vivre le spectacle, nous voulons l'offrir Mounio. C'est exactement l'idée de la Mayotte là qui a installé dans Saint-Honoré. Parce que toujours il y a des difficultés justement pour acteurs qui ont défilé exprimer, montrer talent. Yo. Et parce que généralement, vous mettez code, que vous mettez agent de sécurité, vous mettez la police, toujours un débordement de foule quand même qui fait qui arrive sur acteur. Donc la Mayotte, c'est genre de stage qui pourra le placer sous Saint-Honoré, justement, pour le permettre que même l'acteur fin fait parcours là, mais il a offert. Chaud que pas de temps forcément offrir vu pression foule. De toute façon, pas tout le monde qui a un espace ça. Mais dans ça, qui a pêché, nous prenons disposition pour que sous parcours là, c'est acteur seulement qui a droit de citer. Il y a des dispositions qui prennent pour ça, avec la police notamment, puisque hier, nous avons été avec de regarder dans la police nationale haïtienne pour ça. Mais pas bien, toujours gagné, dans le dit, il y a toujours gagné des débordements. Ça a toujours arrivé. Mais nous prenons des dispositions pour que show artistique là bien passé année ça. Et pour nous sûr que nous avons un show bien, nous mettons à Mérivaux de Prince pour la Mayotte. Parfait, parfait. Bon, là maintenant, l'autre disposition, c'est pas avoir avec chariot. Pour nous plaindre pour chariot trop haut. Est-ce que là encore, tout, il y a des critères année ça qui définissent pour que chariot respecte Normio? Exactement, parce que sous comité logistique là, de concert avec les gens qui ont animation musicale dans le comité carnaval à Anessa, il y a des réunions justement qui faites avec les gens pour permettre que je ne pas augmenter le niveau. Parce que généralement, tout char que l'État haïtien a bâillé, c'est des chars standards. C'est des bâilles qui sont définis depuis un certain temps. Ok? Pour que justement, monsieur va mettre trop d'instruments pour augmenter l'auteur char. Et puis deuxièmement, il y a des inspections justement qui peuvent réaliser entre le comité logistique là, aidé maintenant de la police nationale sous chariot pour éviter tout éventuel accident. Parce que nous sommes les acteurs fantômes de barricade cou, sous chaîne massa, il a passé, fil courant, hauteur chariot, et en plus, il faut trouver trois personnes sous chariot tout. Exactement. Hier, justement, dans la réunion avec Ougade la police, la question a été abordée. Nous-mêmes, dans le comité, sous chaque char musical qui pourra défiler, donc on a une capacité de 120 personnes. 120. Si on avait respecté, vous êtes sûr que 120 personnes qui sont ouvertes. Maintenant, il y a un challenge que nous pouvons faire face à eux. Et le comité logistique, là, ensemble avec le comité carnaval, là, nous sommes extrêmement vigilants sur ça. C'est que le char a déplacé dans l'espace côté supposé déplacer. Et bien, en cours de route, il y a des gens qui ont monté sur le char. Qui pourra le faire que même l'eau qu'on est côté Gouon, côté Gouon, un nombre de 100 à 120 mounes au départ, eh bien, au cours de route, Charlang doit gagner 150, 200 mounes. Mais année ça, nous pourrons être extrêmement vigilants, aider de la police nationale d'Haïti pour que justement Chariot respecte Mdakadi, nos maximales capacités de charge, parce que ce sont responsabilités que nous avons pour nous protéger la vie moun. Qui dans le carnaval et qui sous chaque carnaval. Toujours la question, Charles, sur un bon année et ça qui arrive l'âme. Moi, même, tu as même perdu la vie, sur les petites concerts au cas Jean-Baptiste. Et là, tout, est-ce que y a des mesures qui apprennent pour inspecter tête camion, question frais, et garder tout, chauffeur tout, capable de conduire chariot tout. Moi, j'ai inspection, question inspection en prière, mais parce que la fête de concert avec le comité logistique et la police, justement, pour inspecter toute camionnette, mais concernant tout pour chauffeur tout, année ça, on a gagné deux chauffeurs par camion. Et de temps en temps, on a des checks qui fait sous chauffeur, qui sont camion, pour regarder si n'est pas boué, si n'est pas sous. Et bien, on est boué sous tête camion, et bien, normalement, on a des dispositions qu'on prend pour ça. Parce que nous ne sommes pas capables de jouer à la vie de monde qui vient prendre un petit moment de plaisir d'effoulement pendant trois jours. Donc, nous avons extrêmement vigilants sur ça, année ça. Pour que nous inspections les camions, pour que nous gardions les chauffeurs. D'ailleurs, demain, si Dieu veut, demain samedi, normalement, supposé qu'on rencontre entre le comité carnaval et tout chauffeur qui a sous camion pendant trois jours. Et Charles Goury qui est autre. Parfait. Je vais regarder dans les Antilles, où est-ce que ça? Au carnaval.
qualité spectacle qui t'a profil, en pile couleur, déguisement, parce que fait, c'est ça tout carnaval là. Vraiment, ça attire l'attention. Ouais, ça attire l'attention. Les gens qui regardent la télévision, et même les gens qui étaient sur ce site là. Qui est fort qu'a fait en Haïti pour que nous offrons un carnaval? J'en ai connu longtemps, avec un pile déguisement, un pile couleur, un pile spectacle, et puis les gens capables de voir ça dans la baille, les gens capables de vivre ambiance, et quelque chose, il est ça, comme mon ami, c'est un touriste, il vient tout le carrément produit que nous sommes capables de vendre tout le côté. Quoi. Écoutez, moi-même, année ça, moi, agréablement surpris de costumes. De qualité chaud artistique à préparer. Parce que, Pabli, année ça, il y a un comité artistique qui a une fusion entre le comité carnaval national et la mairie et qui a des gens qui sont habitués à faire ça. Donc, je pense que année ça, son carnaval a une pile couleur, qui a une pile originalité et je ne sais pas plein pour couleur, pour originalité, pour qualité costume. C'est vrai que ça qu'on a péché que nous. Bien vive, d'a dit show qui manque fait nous apprécier costume, c'est pression foule qu'on a exercé sous d'a dit défilé artistique. Année ça, défilé doit commencer à 3h de l'après-midi. Généralement on est dans carnaval Port-au-Prince. Mon nous bon, généralement commencer descendre entre 8h et 9h du soir. Mais bon, année ça, carnaval a commencé à 3h de l'après-midi. À gain temps pour spectacle de rue bien fait pour monde qui enjoy yo, pour nous prendre image ça pour nous vendre sur le plan international parce que c'est ça nous vendre, c'est ça pour nous montrer. Regardez, et généralement on regarder sur le plan international toujours il y a des journalistes étrangers qui viennent dans le carnaval par exemple Jacques Mel par exemple, hein, qui garder qui fait photo masque, qui fait photo artiste qui défile dans le carnaval Jacques Mel généralement. Donc le carnaval Port-au-Prince oui nous capable. Et année ça, nous voulons vraiment et porter une touche nouvelle dans ce défilé artistique. Parce que pour nous, même par exemple, en dehors du comité du carnaval, qui est dans le ministère touriste, eh bien, son outil de promotion extrêmement important pour nous-mêmes. Parce que, bon, vous connaissez, tout ça toujours dit sur Haïti. Mais à chaque fois que vous avez originalité, à chaque fois que ça nous-mêmes nous cabaille comme spectacle et culturel et de rue, eh bien, nous toujours surprenons le monde. Et pas oublier, le carnaval national haïtien, les originalités, vous ne pouvez pas trouver aucun côté dans l'autre pays dans le Caraïbe. Parce que généralement, dans le pays Caraïbe, tout le carnaval est assemblé. Vous prenez Trinidad, vous prenez Jamaïque, etc. Tout le carnaval est assemblé. Mais le carnaval haïtien, il y a une originalité particulière et que nous puiser dans la force culturelle qui gagne dans le pays d'Haïti. Il y a une guerre de cibles là tout, qui vont faire problème sur le master. Chat au collé ou na clotte, stand up de musique tout. Qui ça n'a fait pour nous jouer les questions ça, Anissa? Ah, et depuis un certain temps, il y a des décisions que tu prends pour t'empêcher que stand up joue musique. Et c'est des décisions qui étaient généralement respectées et qui étaient même allées justement, même saisies des appareils qui soutiennent. Maintenant, par rapport à la question des décibels que Charles a diffusé, eh bien, il y a des pourparlers entre le comité, sous comité musical dans le comité national, là, avec justement les compagnies de son musiciens pour que nous capables de réduire la question. Ça. Maintenant, la question fondamentale, et c'est généralement, il y a deux décibels dans le à partir d'un ensemble de retard qu'on observe dans le parcours carnaval. Donc, depuis qu'il y a un retard, qu'on a fait chaleur avancer rapide. Donc, pendant fait chaleur avancer rapide, on a deux, trois groupes qui ont joué la musique en même temps, un espace extrêmement réduit. Et puis, bon, finalement, c'est cacophonie générale. Finalement, carnaval, il n'y a pas enjoy, il n'y a dit, mais un carnaval. Mais année ça, il y a des dispositions qui prennent pour aligner chaleur. Pour que nous commençons à défiler, hein? Alors défiler groupe musical entre 6h30 et 7h du soir, pour que question de décibel ça nous font réduire. Nous allons essayer de jouer sur lui, mais son challenge que je pense avec un pile professionnaliste que nous avons arrivé à relever. Parce que là, tout le monde a souhaité que, heureusement, il y a une inspection qui a fait machine pour que les chats en panne. Parce qu'il faut les chats en panne tout, ça a dérangé par coup là, et puis finalement, il n'y a plus de goût pas qu'à passer. Alors, question de chats en panne, il faut nous relativiser. Tout, parfois, oui, il y a une panne mécanique sur le chat. Mais pourquoi il y a un chat en panne et puis peut-être c'est une génératrice qui a un problème.
Et donc, si j'ai dit que c'est un problème sur le parcours, là, je ne peux pas camper au parcours carnaval pour m'apprendre un problème génératif sur place. Donc, ça n'a pas avancé. Mm-hmm. Pendant que justement, j'ai essayé de trouver une solution pour, par exemple, un génératif sur la panne. Donc, des fois, il y a des trucs que les gens utilisent et tout. Bon, écoute, c'est musicien, c'est polémique, c'est ambiance. Mais en essayant, on a été extrêmement vigilant et pour capable nous un parcours qui acceptable en ça. Vous dites qu'on démarre à 3 heures, on finit à quelle heure? Bon, écoutez, normalement, le carnaval est supposé commencer à démarrer à 3 heures et finir à 3 heures du matin. 3 heures du matin, pour tous les 3 jours? Normalement. Et nous avons des pourparlers justement pour que nous regardions comment nous allons gérer la question de ça. Ok? Mais je dis, j'ai gagné une conférence de presse dans le ministère de la communication et à compter de 11h. Donc justement, j'ai dit le officiel qui est retenu. Mais dans un premier temps, c'était 3 à 3. 3h PM pour 3h du matin. Donc nous avons confirmé le jeudi et qu'on s'attend aussi une modification dans la conférence de presse qui a gagné à 11h dans le local du ministère de la communication jeudi. Parce que généralement, dans le troisième jour, l'école lag net. Alors, bon, justement, mon troisième jour, bon, alors là, je dis 3h, 3-3, c'est dimanche, lundi. Mm-hmm. Et bon, mardi, mercredi, bon, écoutez, a toujours gagné un dégui. Parfait. Mm-hmm. Là maintenant, nous parlons pas du carnaval, nous avons parlé tout à l'heure de l'investissement que l'État fait pour activité ça. Chaque année, pile l'argent dépensé. Il y a des gens qui même disent est-ce que sont tous en fonds. Ça t'a fait pour faire l'État rentrer tout. Donc tu as rapporté l'État, il faut faire tout investissement ça pour que c'est pas encore perdu. Quoi. Alors la question. Alors, ça n'a pas entré dans la question, ça n'a l'économie du carnaval. Maintenant, l'économie du carnaval, pour avoir l'économie du carnaval, il faut avoir une industrie du carnaval. Et pour l'industrie du carnaval, là, parce que l'on dit industrie, donc on a un centre d'entreprise qui produit des biens et des services pour satisfaire des besoins similaires. Ce sont industriels. Donc, si nous mettons dans le contexte carnaval, là, dans l'industrie carnaval, là, c'est un centre d'entreprise qui a fonctionné toute l'année et qui a produit des biens ou des services pour satisfaire les besoins carnaval. Là. Je dis en Haïti, nous n'avons pas de soucis là. Nous n'avons pas encore cette industrie sur là. Maintenant, c'est ce que nous avons dit, un objectif que nous avons supposé atteindre pour être capable justement de rendre le carnaval plus rentable. Pas seulement pour l'État, mais pour ceux qui sont dans le privé. Parce que là, je dis ça que dans le privé, par exemple, là, on prend un fabricant de masques à Jacmel, par exemple, qui est un atelier. Il est dans le privé. Donc, si l'industrie fonctionnait tout le temps, elle a fait l'argent tout. Par exemple, nous avons fait science à New Orleans. J'ai eu la chance de visiter New Orleans. J'ai eu la chance de visiter et on sent, pour son usine, qui a produit masque toute l'année. Et si je suis à New Orleans, dans l'équipe de l'année, je vais aller m'acheter un masque et puis m'acheter des produits dérivés du carnaval de la Nouvelle-Orléans toute l'année. Maintenant, c'est des réflexions qui commencent à faire justement pour nous vers ça. Maintenant, pour l'État. Au niveau de l'État, peut-être qu'il y a des mesures, il y a des unités de mesure, des indicateurs qu'on peut apprendre pour capable dire est-ce que si l'État a dépensé 186 millions de gouttes dans le carnaval, quel est le taux réel sur investissement qu'on fait. Peut-être que ça m'a dit il n'est pas vérifiable, mais peut-être que je suis capable de garder entre une période de carnaval et une période pas de carnaval, la quantité de taxes l'État rentre. Parce que généralement, entreprises qui ont fait business en carnaval, dans la période, ça vend plus. Par exemple, si je prends mon café et produit des boissons, par exemple, ils vendent plus. Si je prends mon qui est en question d'hébergement, les hôtels, généralement, par exemple, dans le lieu côté carnaval, en fait, les hôtels sont remplis. Et l'État a gagné l'argent sur le chiffre d'affaires. Ça. Il y a des taxes que le percevoir. Donc, dès qu'on fait des comparaisons pour regarder entre telle période donnée et telle autre période qui gagne carnaval, qui quantité de taxes et l'État arrivé mobilisé par rapport à la période ça. Pour ça, l'État va comment dit ton étude sur ça. Parce que après le carnaval, là, on étude faite pour nous connaître qui ça exactement que le carnaval haïtien rapporte, nous vous dites. Eh bien, justement, c'est génial, c'est ça que je parle d'économie du carnaval. Ou pas qu'on fait étude, l'homme d'Aka dit, ou lancer le comme ça. Mais il faut commencer à créer un document stratégique sur l'organisation, pas seulement du carnaval, mais des événements en Haïti. Et le carnaval a pour un événement.
Et à partir de là, vous méthodologie qu'on met en place, d'accord, vous dit comment, quelle est la méthodologie à mettre en place pour calculer, d'accord, les retombées économiques d'un événement ou du carnaval, d'accord, pour payer. Donc, c'est, mais on y a, faut que nous arrivions à entrer pour sortir carnaval là, notre tradition, pour nous passer carnaval là à une institution. Parce que je dis, le carnaval là, c'est une tradition, mais il faut arriver à en logique d'institutionnaliser le carnaval. Justement, comment institutionnaliser le carnaval? Eh bien, justement, institutionnaliser le carnaval haïtien veut dire, par exemple, on a le monde qui a parlé de comité permanent du carnaval, ben, c'est que son idée géniale pour que nous ayons un comité permanent du carnaval, mais avec des professionnels, par exemple, qui connaissent le carnaval, comment organiser le carnaval, et qui a fonctionné toute une année. Maintenant, moi-même, je n'ai pas dit institutionnaliser le carnaval, le comité permanent du carnaval. Nous-mêmes, nous allons aller beaucoup plus loin. Nous avons gagné une institution, même en Haïti, qui a occupé des grands événements culturels. Parce que, laissez-moi vous dire, Haïti, nous voulons développer tourisme en pays. Et il y a une façon pour développer tourisme, soit son destination à développer tourisme, il faut destination ça capable d'organiser des événements. Parce que les événements rapportent beaucoup aux économies de ces pays qui organisent plus d'événements. Donc, c'est établir toute structure là. Un plan stratégique pour l'organisation des événements en Haïti, incluant le carnaval, pour que nous entrions dans une stratégie d'institutionnaliser le carnaval haïtien. Parce que c'est ça qui permet justement que nous entrions plus sages. Et nous, quand même, arriver, on dit, bon, si on a fait carnaval à Port-au-Prince, eh réflexion, ça ne va même arriver plus loin, côté que vous obligez de mettre en place des infrastructures physiques pour permettre que le défilé carnaval le fait mieux. Défi de carnaval, là, il doit arriver au lieu, nous ne pouvons pas faire le champ de masse. Nous sommes obligés de construire, ou soit aménager l'autre espace, pour faire défiler. Hein. Par exemple, si tu regardes le carnaval de Rio, eh bien, vous avez le symbodrome de Rio. Hein? C'est là, par exemple, que le carnaval, c'est une infrastructure construite pour ça. Mais en cours d'année, c'est une infrastructure que généralement, il est transformé pour faire l'autre type d'événement et qui rapporte l'argent toute année. Hein. Donc, il m'a dit, c'est des réflexions qui commencent à germer. Dernièrement, le comité carnaval a été invité par la commission culture et tourisme du Sénat de la République, côté que le sénateur a commencé à esquisser l'idée ça avec le comité carnaval national. Donc, je pense qu'à partir de là, ça va rapporter. Maintenant, il y a un indicateur toujours année ça, même si le ministère touriste, depuis pendant 3 ou 4 ans, on a quand même fait de petites enquêtes. D'accord, dit économique sur les retombées du carnaval en Haïti. Et nous publier? Oui, qui depuis 3 ou 4 ans, chaque temps, nous avons toujours publié. Mm-hmm. Mais normalement, et qui te montré une tendance côté que les gens qui vendent. Il y a des gens, par exemple, si je suis un marché, c'est pendant 3 jours grave que je fais l'argent à l'école petite pour toute année. Il y a des gens, c'est pendant 3 jours grave que je paye quand pendant toute année. Donc il y a des gens qui ont un budget sur l'année qui dépend justement des activités des 3 jours. Maintenant, l'autre indicateur, n'a pas regardé ça encore, c'est que commencer opérateurs touristiques privés, commencer vraiment à monter des packages autour du carnaval haïtien que vous venez de diaspora. Eh bien, d'après information que nous recevons au sein du comité du carnaval et au sein du ministère du tourisme, pratiquement tous les hôtels de Port-au-Prince sont quasiment remplis et tous les avions sont quasiment remplis jusqu'à ce que le prix du billet d'avion, je dis, peu une bonne prince, écoutez, c'est les flambé parce que tellement il y a des demandes pour venir dans le carnaval national. Là. Et je pense que si on a une réponse que Diaswa Abano et qui dit qu'il n'y a pas arrivé pour venir dans le carnaval national là, et qu'il n'y a pas arrivé plus dans le carnaval national là, lorsque nous avons privé nos démarches pour mieux institutionnaliser l'événement. Mais là, tout, il y a plein et tout, Andy Duosier, par rapport avec ça, nous l'offrir, par exemple, dans le niveau de l'hôtel. Il y a un monde qui a partagé ce matin avec mon prix, par exemple, $250, par exemple, nuit, $140 nuit. Est-ce que là, dans le niveau du ministère de tourisme, tu travailles avec l'opérateur pour nous offrir un bail qui est plus intéressant, voyez, qui t'a permis que plus de monde ait accès avec lui, plus comme tu as fait tout dans le cas. Pas bien, c'est génial. Dans notre pays, dans la région. Pas bien, c'est génial. Alors, il y a une façon de répondre à une question. Ça. D'abord, pour commencer, c'est ce qu'on appelle la libre entreprise. C'est-à-dire, mon produit, ma vente, je dois décider de venir pour moi.
Donc l'État, nous pas nous l'État côté que l'État pour fixer prix. Nous pas nous économie planifiée. OK, généralement économie socialiste c'est des économies planifiées, mais nous économie planifiée. Donc l'État pas va fixer prix pour dans le contexte de libre entreprise. Maintenant, ça qui est capable de permettre que prix encassé de un établissement par rapport à l'autre, c'est la compétition. Maintenant, parmi tout, lorsque demande, c'est des lois qui s'appellent l'économie, lorsque demande augmente en flèche et que offre n'est pas suffisante, ben généralement, on observe une inflation dans la prestation, dans le prix, dans le coût. Donc c'est ça qui arrive là, sur le marché. Maintenant, pour ça, t'as pas privé, t'as dit améliorer, il faut que justement ou gagner plus compétition. Mais qui t'aime dire? Peut-être que il y a des monde qui ont pensé prix exorbitant. Mais dans pile destination que nous aller, que nous visiter dans des périodes qui gagnent de gros événements, les prix, c'est ça ce qu'on appelle la haute saison, prix ont toujours augmenté. Donc peut-être par rapport à Haïti et par rapport à la prestation de service, il y a des clients qui doivent penser que prix a dit trop cher pour eux-mêmes. Mais le ministère du Tourisme, justement, bon, donc a toujours entré parler avec opérateurs privés, mais pas oublier les opérateurs privés gèrent leurs entreprises privées. Donc, nous-mêmes, comme l'État, nous devons juste avoir des conseils, faire des suggestions, mais nous ne pas capables de rentrer dans des entreprises privées pour ajuster le prix. Maintenant, nous devons encourager la compétition, nous devons encourager la concurrence. Et qui pourra le permettre que prix au cassé. Parfait. Parfait. Donc, c'est ça. Là maintenant, on regarde Goubio, parce que c'est quand même un gros mot sur le carnaval là. Depuis quelques temps, les fils artistiques, ça où il y a, on a pu le faire, je vous ai dit à 8 et 10 heures de saint jean ça, on a des gros musiques qui ont frappé. Qui ça peut faire ça? Combien de groupes qui ont défilé? Anessa, normalement, il y a 21 groupes qui doivent défiler. Ok? Non. Et puis, nous avons 7 chars allégoriques. Donc, bon, vous connaissez. Généralement, traditionnellement, il y a des groupes qui ne sont pas capables là dans le carnaval national. Et en Haïti, bon, il y a tous les 20 groupes là dans la tête, moi, là, je vais citer. Même quand je vais citer des groupes comme ça, hein, où il y a Jacout, où il y a T-Vice, où il y a Sweet Mickey, où il y a beaucoup d'expérience, où il y a Criolla, où il y a Mascompa, où il y a Ram, où il y a Brother Spassi. Nous gagnons Woody Woodboy, ou gagnons Charlet, et gagnons Zikos, et bon, peut-être, parce que j'ai toutes les ça dans la tête, mais c'était pour vous, quelques parmi les groupes qui ont dans le carnaval, gagnons Rêve, gagnons Yaya, gagnons Casino, hein? Donc c'est gagnons Kinpassi, Barricade Crew, Rock Femme. Sur qui base on choisit le groupe ça? Bon, écoutez, bon, alors c'est une question qui est récurrente, hein. Sous qui base? Bon, généralement, nous choisissons pas, par exemple, autant de nous, il y a des groupes qui ne sont pas capables. Donc, c'est des groupes performantiaux et ou c'est des groupes traditionnellement que peuvent pas s'abtenir dans le carnaval national. Par exemple, un groupe de Koujakout, number one, un groupe de T-Vice, un groupe de Kriol, un groupe de Sweet Mickey. Hein? C'est des groupes que traditionnellement que peuvent s'abtenir dans le carnaval et toujours créer un pile ambiance. Et Barricade Crew, on a dit les rock femmes, on a dit c'est des groupes qui drainent en pile passion dans le carnaval. Là. Maintenant, on a l'autre groupe tout, qui c'est des groupes qui, on a dit, fait des meringues qui a marché justement, et qui ont des meringues qui a marché, et que ou pas capable d'intégrer dans le carnaval. Là. C'est vrai qu'on n'est pas capable d'intégrer tout le monde. Donc c'était le deuxième et critère de choix. Puis le troisième critère de choix, c'était fondé mettre des groupes racines. Parce qu'on ne peut pas faire un carnaval, on ne peut pas mettre des groupes racines. Et l'autre critère, tout, c'était permettre tout à de jeunes groupes qui, pendant l'année, ont fait de très belles performances, intégrer un parcours carnaval. Mais par contre, nous n'avons pas une prétention en un comité intégrer tout le monde. Et nous connaissons qu'il y a des insatisfaits, mais il fallait faire des choix et on a fait des choix. Et me songe moi gen collègue nous dans comité carnaval là qui était venu avec une idée. Elle était même pas dans le vent artistique, elle était dit artistique mais pour ça nous attend nous gen 30 groupes qui sorti. Et puis tout artiste dit comment 30 groupes? Et dit ben OK. Gen 3 jours là. Chaque jour gen 10 groupes qui sorti. 10 groupes différents. Donc ça fait 30 groupes. Donc finalement, on a un maximum de groupes qui participent dans le carnaval. Mais bon, c'était juste pour taquiner. C'était juste pour montrer qu'il était nécessaire
pour que nous fassions des choix dans la commune de carnaval là, parce que déjà en 21 groupes qui ont défilé durant les 3 jours là, c'est un gros challenge. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez parler comme quoi les 270 il y a des groupes qui ont là un jour, il y a un groupe là 2 jours, il y a un groupe là 3 jours, est-ce que c'est vrai? Finalement, il y a des ententes qui devaient trouver entre groupes et comité carnaval là. Donc finalement peut-être il y a seulement 2 groupes et qui a partagé ça. Et pourquoi priver de toutes informations là? Parce que nous sommes encore en négociation. Mais il y a des groupes qui vivent en un comité, hein, qui vivent jouent des ententes en comité, puis autour sortir l'autre jour. Parce que là, il y a des gens qui croient que, est-ce que nous sommes obligés de dire qu'il y a des gens qui ne sont pas capables là, si on ne pose rien pendant l'année, si mes gens ne sont pas arrivés sur le public là, parce que là, ça est capable d'empêcher de jeunes formations musicales qui, quand même, font un effort de création, de production, pour pas avoir une chance de participer dans le carnaval. Bien, c'est là ma privée de standardisation et institutionnalisation du carnaval. Qui, justement, il faut un document qui est écrit, qui dit voici les conditions pour qu'on ait participé, puis on retourne parmi les groupes qui ont participé dans le défilé carnaval. Par exemple, si un groupe, par exemple, toute l'année, on va jamais performer. Donc, peut-être que ça arrive un jour, qu'on va dans le défilé carnaval. C'est clair. Donc, et ça, c'est mon sens opinion personnel qui m'exprimait. Donc, parce que le nouveau venant institutionnalisation, ça, et peut-être qu'à partir de l'année prochaine, et mon nouveau capitaine comité, il faut qu'on a commencé à réfléchir sur ça, parce que il y a justement pile proposition, pile suggestion qui fait en ce sens. Donc, finalement, parce que nous avons privé à ça. Parce que ça qui passe, un carnaval a son gros vitrine. Puisque son gros vitrine, moi, je pense que les plus méritants, doué en de vitrine ça. Donc on est on c'est un acteur que je dis à aussi à négliger dans le carnaval là qui prend pour ça tout et ben à pied. Ou bien l'impression nous négliger or tu es qu'on ba hypothèse mon côté ça. Ça moi connais, ça moi connais et information que moi gain année ça bande à pied, il y a près d'une vingtaine de bande à pied qui a défilé durant les 3 jours là et ces bande à pied ont été prises en charge complètement et pour yo participer dans le défilé carnaval. Vous entendez parler de Fébaz, pas vrai? Fébaz a rencontré la pressière, qui a groupé ensemble de groupes à pied, le plein, ou même dit qu'il a bloqué l'organisation carnaval là, parce que pour qu'on dise rien. De toute façon, il a fait plusieurs réunions, il y a plusieurs réunions qui ont organisé avec Bon à pied. Et bah, c'est que la revendication de Bon à pied, ils prennent en charge. Et de toute façon, quand on a une conférence de presse par rapport à l'insatisfaction, même parce que le canal communication n'est pas coupé. Le canal communication n'est pas coupé. Et il y a un travail justement pour capable satisfaire Bon à pied. De toute façon, le carnaval là, a bien Bon à pied. Et Bon à pied, les revendications, il a bien traité pendant 3 jours. Ou dit good boy, il n'y a pas un pile qui t'a fait. Il y a un monde qui dit mais je fais un carnaval qui est sur un pile monde dans le pays. Et donc vous mettez un patron dans la liste là, la liste est venue la presse là, après ça, Bigote dit à Bali, monsieur n'est pas trop intéressé, finalement, monsieur Abdel va quoi? Finalement, c'est que vous avez liste qui était sortie qui marque la liste finale. Okay. Donc puisque dans la liste marque la liste finale, donc c'est la liste finale. Donc toute liste qui n'est pas de la liste finale, vous avez dit, pourquoi c'est la liste finale? Donc je veux dire, vous devez avoir un parcours carnaval national. Donc, c'est que monsieur va délivrer une belle performance. D'un coup, l'autre groupe, tout, Boris Fassi, Sweet Mickey, Casino, Chalet, Criolla, Jacoti Vas, pour ne citer que ces groupes-là, et pour participer ensemble pour offrir nous toute belle performance. On regarde l'aspect sécuritaire, c'est quand même un gros morceau, parce que si on a réuni tout le monde en chaîne masse, et qui ça la police ben nous comme garantie? Bon, hier justement, hier après-midi, nous avons rencontré, le comité carnaval, nous avons rencontré avec de haut gradé dans la police nationale, justement, qui est responsable de l'aspect sécuritaire. La même chose, c'est que la police nationale met en place un plan de sécurité formidable pour le carnaval à Nessa. Et il y a des informations que Mbaka dit là, mais on a pas que mettez qui sont innovations. C'est que un policier qui pas qui pas supposé qui pas retenu parmi les policiers qui supposé bah sécurité dans le parcours carnaval pas rentrer dans le parcours. Il faut que passer justement
dans la direction départementale de l'Ouest, puis on a enregistré, puis on a baillé des maillots, des équipements, des insignes qui permettent d'en défiler le carnaval. Il n'y a pas même qu'à porter des âmes. Donc si nous sommes policiers, il n'y a pas qu'à porter des âmes. Donc civil encore, alors on dit pas policier encore moins. Donc ben, c'est la police qui a un plan de quadrillage qui est extrêmement intéressant et qui rassure nous que la bien marché pendant le carnaval là. Et justement tu sollicité support au comité carnaval là, tout, pour aider que la police bien fait travail. Qui ça nous prend comme disposition pour que nous vendons le carnaval là, mon ne peut pas rentrer à Haïti, capable de boire, en bonne forme. Finalement, il y a plusieurs chaînes étrangères qui ont entré justement pendant la période. Et je ne vais pas faire publicité pour qu'une chaîne étrangère là sous TNH. Exactement. Et qui a entré, je viens faire des reportages, je viens prendre des images. Et nous connaissons déjà que la télévision nationale d'Haïti va mobiliser toute l'équipe li, et avec, à travers tout. Web blanc pour vendre le carnaval là dans Gandhi au niveau international, pour vendre l'image au niveau international. Donc, soit fait ça, nous n'avons pas aucun doute que le carnaval national 2018 va être par des millions d'internautes à travers le monde. Nous avons un site, comme tu as un site, non? Oui, alors nous avons une page Facebook, nous, c'est Carnaval National en créole, et nous avons une page Instagram, nous, page Twitter, nous, Carnaval National. Et sous lui-même, on a besoin de toute information au besoin sur le carnaval. Et la cadeau, depuis que nous lançons le carnaval dans l'année, ça, eh bien, follower nous exploser de manière exponentielle et qui montrait l'intérêt que internautes ont gagné pour suivre l'actualité carnaval national 2018. Oui, on a attendu chez nous ça, mais ça. Bon, c'est génial. Et mon cher pas fait de ça, je dis. Mais n'attend tout le monde qui est capable de venir participer dans le groupe fait ça. N'attend le monde, n'attend pile le monde. Pile le monde, il y a un petit monde. Et écoutez, nous t'as suggéré par un cap mené Timounio, venir à Timounio depuis 2h de l'après-midi, 3h de l'après-midi, puis capable enjoy dans le défi artistique là. À partir de 5-6h, à déposer Timounio là quand nous. Après ça on a tourné. Parce que année ça nous va dans même avoir des petits monde que par oublier qui sont pas en cours, des petits monde qui perdu par un côté puis au fait et par une belle image. Donc nous conseillons tout par revenir à petit monde 2-3 heures l'après-midi, petit monde enjoy et show artistique là, et puis après déposer là car nous mettons monde pour suivre eux, et puis nous même si nous voulons nous venir sur champ de masse mettre vite question parking tout faire problème. Oui, et il y a monde qui quand qui fin dans carnaval là puis chercher machine là après pas. Bon, moi même pas plus que semaine même t'a pas là aux amis, me dit son corps qui a gaspillé là, ça fait pêcher, font gros parking payant. Pendant monde vient prendre plaisir, et puis le quitter machine, il paye pour lui, et puis après il prend machine là carré. Bon, ça m'observe depuis moi mal dans carnaval souvent, et ça m'observe toujours des monde des nèg qui érigé des entrepreneurs privés et qui mettait des parkings en place. Même ensuite même m'a dit monde ça tout, et on fait covoiturage. Ça covoiturage, c'est-à-dire que si mon groupe d'amis cap descend dans carnaval, nous tout pas besoin de descendre en machine nous. Mais même si on met dans l'impression aller balancer son vie à l'ombre. Bon, eh ben n'importe nous quand même ces amis nous. Même pas c'est à la longue, si on t'a gagné, pas qu'on est mérite pas de presse et non, c'est pas qu'il paye. Sur le cobla cap perdu. Son excellente idée, c'est pas seulement pour carnaval, mais c'est pour activité de tous les jours. Et peut-être dans pile pays ou bien des parkings, ou des parkings municipaux. Justement, qui est bien organisé. Et je pense que son infrastructure que mairie Port-au-Prince suppose mettre en place, le comité carnaval n'a pas fait pour mairie, parce que c'est mairie qui met la ville, c'est mairie qui a organisé la ville. Et je pense que Marie Sarioui Chevry, son très bonne idée qui est exprimée là, pour que la commune Port-au-Prince ait plusieurs parkings municipaux qui sont capables de rapporter comme et l'argent. Non, à 7 mairies pour tout passer. Donc imaginez combien de copes ça t'a fait pendant 3 jours ça. Exactement. Vous avez une chaîne de masse avec besoin de machine. D'accord, mais c'est son consultation gratuite à Marisa Vodopressa. Message là que vous alliez là. Message à Haïti sur le changement. Vine dans le carnaval, pas vine à Zam, pas vine à Zam, pas vine à Couteau, pas vine à Kachabika. C'est un carnaval sans violence. Vine pour un plaisir nous, vine amuser nous, sainement pendant les 3 jours là. Et comité carnaval là, nous tous. Président pays attend nous tous pour que nous ensemble, que tout haïtien nous participons de changement pays nous qui c'est pays d'Haïti. Voilà, Andy Durosier, secrétaire général comité national là, comité carnaval 2018 là, Haïti sous changement, qui est avec nous pour te porter dernière précision pendant toute
week-end là et TNH va accompagner nous dans partager information yo dans relayer information et comité carnaval là de telle sorte que nous capable qu'un bon informé sur tout ça qui va le faire tout ça qui va le passer pendant 3 jours là sous champ de mars 11 12 13 Haïti sur route changement. Alors Hector bon amis avec nous pour un dernier message bon sur la région on pose et puis le temps pour nous capable de permettre de partager message à public là et qu'à suivre mise au point matin. On a pour fermer avec message église sur le rocher de Delma et qui a même gagné en activité pendant 3 jours qu'à venir là et pendant la période carnaval là et dans Enfraza son activité dit traditionnelle parce que chaque année je prends rendez-vous même dans façon par eux pour vivre la période ça. Pasteur Gary Saint-Hubert, on est responsable l'église avec nous en studio pour partager mes messages avec nous. Pasteur Saint-Hubert, comment allez-vous? Très bien, grâce à Dieu, tout va bien. Merci. Parfait. Alors, Anessa, et sur le rocher, après encore au rendez-vous? Au rendez-vous, donc même côté à Enfraza, du 10 au 14, d'ici demain après-midi. Mm-hmm. Donc, on a Enfraza pour la grande croisade et l'évangélisation. Mm-hmm. Pourquoi ça fait activité ça? Bon, évangélisation, c'est donc chercher des âmes à Christ pour nous mener des âmes à des années. Donc c'est un rendez-vous annuel. Côté que nous nous cachons d'encouragement, nous nous cachons d'enseignement, côté que nous sommes capables de glorifier le nom du Seigneur à travers la louange et l'adoration. Chanter, célébrer le Seigneur de tout leur cœur. Mm-hmm. Allez, ça, t'aimes bien, c'est temps pour nous récolter. C'est temps pour nous récolter. Pour qui ça, t'aimes ça? C'est temps pour nous récolter ça, mais c'est bien qu'on est, ou semer, ou récolter ça, ou semer. Donc, nous dit bon, trop longtemps, et nous y a plaigné, il dit qu'il y a semé longtemps, il n'y a pas jamais récolté. Bon, nous déclarer bon, c'est temps pour nous récolter. Donc, ou semer, toutes sortes de semer, là, d'après récolter, qu'on y a, allez ça. Tu vois, ça va le passer même pendant un jour. Extraordinaire, c'est pas un bagage extraordinaire. Donc, actuellement, là, nous presque fin setup, son, dans une phrase, et lumière, et tout bagage est en setup, son bagage, c'est un grand événement, bah, la plus grande jour des années, ça. Donc, nous déjà invité tout le monde, et vini, parce que normalement, chaque année, il n'y a pas moins que 30 à 40 000 personnes réunis sous terrain. Tout espace est rempli pour glorifier notre Dieu. C'est de qui le à qui le normalement, on a commencé exactement à 5 heures. On finit à 5 heures. On a commencé à 5 heures. On a fini environ 8 heures, 8 heures et demie. Maintenant, si vous venez tout comme ça, la police alerté? Bien sûr. C'est pour ça que nous faisons. Nous avons déjà écrit et le commissariat Delma qui est toujours là chaque année. Toujours une patrouille chaque année à faire actionner et croisade là. Et puis, pas jamais. Aucun problème, c'est côté présence mon Dieu, il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport à ça, tout, et parallèlement, nous avons bien des conférences avec les leaders. Oui, nous avons des conférences dans lundi. Nous croyons 10, 11, 12 et dans le matin. Donc, et depuis 8h30 dans le matin, nous avons des leaders, même bagage, c'est le même thème. Continuez à faire. Donc, dans l'église sur le rocher, ça a été demain 31. Dans l'église sur le rocher, depuis 8h30 jusqu'à 2h, il y a toujours un repas chaud, il y a un snack. Vers 10h, 11h, et puis à 2h, il y a un plat chaud que ça a un dîner haïtien. Est-ce que vous avez payé pour ça? Nous avons offert le 150 gourdes, on mangeait deux fois la donne. Donc, juste en participation. Pour qui ça confiance ça? Ce qui ça ne valait? Et même bagarre là, c'est temps pour nous récolter. Donc, on a montré que nous avons besoin de semer l'amour. Ou après récolter l'amour, ou semer la joie, ou semer compréhension. Bah, moun, ou après récolter compréhension, d'autres comment pour faire. Semer l'argent pour récolter. Donc, c'est temps pour nous récolter, c'est temps. Tout ce monde ne peut pas semer rien pour commencer à semer. Parce que pour faire action, trop parole tout le temps, parler. Les bon, avec la parole, nous déclarer, mais n'agit tout. Pas seulement parole, nous déclarer la fête au nom de Jésus, ok, il n'y a pas de problème, nous déclarer la fête, mais qu'il y a assez de temps pour nous faire même action. Trop parler en pile, deal, et il n'y a pas fait. Il y a fait tout le monde blague, tout le monde blablabla. Donc, il y a le moment qu'on a que l'église campée, on a formé leader nous, comment, ou grand vision, ou grand bagage, c'est pas seulement parler, qui est le papier. À mettre des blocs là, commencer. Donc, semer propreté, que pas jeter fatra dans la rue, pas jeter sachet de l'eau. Donc, enseigner Mounio, pas seulement parler seulement de nom, okay. Nom dans ce numéro 1, mais
de travail social tout et des petits monde dans la rue acheter rad by petit monde parler de bon Dieu aider tout payer l'école pour yo université elle dit c'est temps pour semer c'est temps pour récolter parfait on a commencé samedi on a fini là samedi on a fini mercredi ça veut dire que mercredi soir c'est dernier jour et c'est jour qui toujours jour folle son jour vraiment béni chaque année donc d'après tout le monde il a attendu tout de plusieurs grands dignitaires qui va là des sénateurs et des magistrats donc en pile monde qui va là. Monsieur Gary Saint-Hubert, un message pour nous finir. Bon pour nous finir donc on dit tout le monde que mais Jésus tight sauve dans nous souvent que j'en fais la paix avec Jésus-Christ dégagez mettez Jésus en dedans quel que soit côté dans le monde donc mettez Jésus en dedans préparez-vous parce que et on pas jamais compte qu'il est quoi mourir ou mourir Jésus vient pour vous. Donc on pas grand rien qu'à faire encore et puis mettez mais chaque action qu'on a fait pour aider un monde avancer en faire et m'a dit tout le haïtien donc on nous met main dans pays pour développer pays d'Haïti dans secteur par dans façon par donc par exemple au bon sachet de l'eau pas la gue sachet de l'eau à terre au bon bouteille de l'eau pas la gue la terre on nous pas jeter fatra dans la rue on nous foncer de bagaille pour nous avancer pays nous côté que pays a la plus enfin. Nous déclarer que perle des Antilles parce que on met mais on la donne pas sur pas faction que bon Dieu bénisse. Voilà, alors c'est généralement la milieu protestant c'est surtout quand mais sur le rocher même choisi chaque année gagner et gros rassemblement ça dans Enfraza Delma 33 il a démarré samedi et a fini mercredi entre 5h oui, et 8h du soir. Yeah. Voilà. Merci tout le monde, nous t'es content de servir aujourd'hui à la mise au point. Soyez avec nous en direct, parce que tu passes une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.